Yep, mais ça stream. Alors, au programme aujourd'hui, découverte d'Aké. Enfin, plus exactement, de la version 0.2 d'Aké, qui est du shmup vertical. Donc, c'est fait par un dev en solo. Hein, donc, Galtuit, hein, on peut voir son adresse en bas. Ça a l'air plutôt sympa. C'est lui qui m'a contacté sur Twitter pour me demander si ça me tentait d'essayer. Donc, oui, carrément, shmup, ça me dit toujours. Et déjà, premier truc cool. Si vous avez un écran qui se met à la verticale, c'est qu'il y a un mode Yoko. Donc vous pouvez complètement enfin, vous pouvez il y a un mode tâté, pardon. Du coup vous pouvez totalement jouer avec l'écran pivoté, donc ça c'est sympa. Et on va tester. Description 4, 3, 2, 1, hop, prepare to launch, go. Donc voilà. Ah, il y a un beam un peu comme dans Airtime, donc on peut charger le tir. Ah, il y a des étoiles à collecter apparemment. C'est quoi cette Ok. Donc j'ai vu qu'il y a différents types de tirs. Sais pas ce que c'est le M. Paquet de missiles. Hein. Je m'étais perdu de vue. Ah, d'accord, changement de tir du coup. Donc plusieurs tirs différents. Ouais, je crois que j'avais vu qu'il y avait trois types de tirs différents. Je m'attendais pas à ce que ça s'ouvre comme ça. Merde. Ok, elle est compliquée là cette zone si tu sais pas ce qui va se passer là. Donc pour l'instant il n'y a que le premier niveau hein, qui est terminé. Et si je touche à rien, ça fait quoi? La game over ou il se lance quand même? Donc premier stage, ceinture astéroïde. J'ai pas regardé si ça faisait des points en plus là, là. On souhaite ça, ouais. Bien. Là, je voulais prendre le M. Il y a quoi comme couleur? Donc vert, ouais. Ça, on l'a déjà vu. J'ai pris quoi? J'ai pris du bleu tout à l'heure. Il me semble que j'ai vu dans les descriptifs ouais, qu'il y a trois types de tirs différents. Les projectiles ennemis, ils arrivent vite. Pas évident. Et donc bleu, c'est ce que j'avais tout à l'heure, et ça cool. Mais apparemment, le M, ça m'a filé 500 points. Ouais, c'est ça file 500 points. Après, est-ce que c'est autre chose que les 500 points? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça file au moins 500 points. Le vert, j'ai pas. Violet, ça fait quoi? Merde. Ah non, mais j'ai dit que je voulais pas le vert. Ah purée, j'ai remis dans la foulée. Et pourquoi j'ai encore des villes? C'est bizarre. J'ai l'impression que tout à l'heure. Ah, moins que ce soit peut-être des villes, les M. Ok, le boss. Oh!
Ah, c'est bizarre, ça. Oh, purée. Ok, donc les... C'est bizarre que les roquettes, on puisse les détruire sans qu'elles explosent. Après, on... je pense qu'on peut dire que c'est un play soldat. Hein. Par contre, j'aime bien là les la façon dont se déploient les patterns. Hein. Ouais, d'accord, donc du coup, a priori, on peut. Ouais. Ok, alors c'est quoi ça? Hidden gem not found. 1, 27. Ah, mais j'aime pas vu qu'il y ait trois types de âmes en fait. C'est clair, ouais. Ouais, je veux le bleu. Suis toujours partagé par les jeux comme ça où t'as le t'as l'arme qui switch, c'est toujours un peu embêtant parce que si t'as pas le. Si t'arrives pas dans le bon timing, du coup t'es blasé parce que tu peux pas récupérer l'arme. Par contre, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que ça permet de s'adapter un peu à toutes les situations, quoi. Ok. Ouais, par contre, il n'y a qu'un seul niveau d'arme, quoi. Tu récupères bleu alors que t'as déjà bleu, il n'y a pas de. T'as pas un bleu plus puissant. Pareil pour le tir chargé, finalement, peu importe le tir que t'as, le tir chargé est le même. Ouh la vache, j'ai failli mourir là. Wow. Ouais, c'est pas absolument que les roquettes elles explosent parce que sinon ça fait trop bizarre. Ah ça, ce pattern-là, j'adore là. Quand il se déplie comme ça, c'est trop trop classe quoi. Ouais, il faut un petit son sur le beam pour la charge, pour pas être obligé de regarder en bas à droite, voir s'il est chargé à fond ou pas. Petit bruit quand on... Ah mais d'accord, j'ai même pas vu tout à l'heure que... Oui, c'est... Oh, je l'ai pas vu ça tout à l'heure. Ok. J'ai un bonus. Très bien. Bon, je sais pas pourquoi là ce coup-ci j'ai eu le. Je sais pas pourquoi j'ai pu affronter le boss comme ça. Alors que tout à l'heure il s'est pas pété. Peut-être parce que j'ai pas perdu de vie. Yo, Clubinou! Après, je pense que ce serait pas mal aussi, c'est de jouer, de permettre une deuxième touche pour pouvoir l'auto shot en fait. Je pense que ça serait bien. Aucune lettre et la mode serrée. Ouais, ça va bien et toi? Aucune lettre et la mode, sinon t'étais bon, hein, t'avais le.
savais le nom du jeu. Et ouais, ça va bien, là, c'est cool, c'est le week-end. C'est calme. Après, c'est con, c'est le week-end, mais. Il faut quand même que j'aille faire les trucs d'avant, faut que j'emmène la voiture au contrôle technique à 3h moins le quart, mais. Ah mais attends mais. Ah mais ils changent de couleur aussi les M. D'accord, j'ai pas vu. Peut-être les ramasser vite alors. Ah purée, alors là, je suis pas bien là. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ça va, j'aurais ça pété le centre, merde. Oh, j'ai raté. Quelle tâche. Ah non, et je prends un verre. Oh là là, oh là là. Oh, j'enchaîne les bad moves. Oh là là, et je le rate encore un nouveau. Et je reprends un verre. Putain, mais décidément. Voilà. Ça va être compliqué. Les M, ça fait des points, mais il y en a plusieurs différents, alors je sais pas trop exactement comment ça marche. J'imagine qu'il y en a certains qui valent plus que d'autres. Tu vas le voir à la fin, t'as un récap des. T'as un récap des. Bah, de tous les trucs récupérés, toutes les gemmes et tout ça. Oh bah non! Ah bah là t'as même pas le récap en fait quand tu gagnes pas. Ok très bien. Ouais du coup je pense que vraiment un bouton pour Lord of Fire serait cool. Eh parce qu'effectivement si tu le prends direct t'as un M doré. Donc j'imagine que plus t'attends et moins il rapporte de points en fait. J'ai rien dit. J'ai fait écuner et en fait non. Voilà, avec ça, ça a comme vachement mieux. Sérieusement? Non, pas le vert, hein. Pas le vert, on a dit, pas le vert. Violet, pourquoi pas? La partie juste avant que tu arrives là, j'ai fini sans perdre de vie. Ah, attends, il y a eu un cancel là, avec le vert là. Ça a cancel les trucs et ça a attiré les. Ça a attiré les étoiles. Placé là, je sais pas comment on voit. En tout cas, ouais, non, la réalisation elle est propre, c'est soigné. Ouais, du coup, là, il me. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai eu le. J'ai pu l'affronter. Voilà, donc toi ici, toi il y a les M dorés, les M gris, les M machin. Ouais, d'accord, donc je pense qu'il. Non, je sais pas en fait.
pas à quoi ils correspondent. Allez, dernière petite partie. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est bien parti, on va dire. Après, il manque évidemment plein de trucs, hein. Il manque de la musique, il manque... Quelle tâche? Le pire, c'est que je suis vraiment allé sur le... Je suis vraiment allé sur le tir, en fait. Dans ma tête, je sais pas si c'était un bonus à récupérer. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai eu un truc qui a aspiré les jambes, non? C'est marrant, du coup, c'était un bonus qui est à l'écran et que tu meurs, bah du coup t'as toujours le bonus à l'écran. Celui de... Oh merde, j'ai repris des gars. Celui de ta mort. Ça tire pas mal hein, quand t'es un peu à la bourre, bah voilà, c'est... Ah bah pareil, c'est la mort. Pas évident, hein, dès que tu te laisses un petit peu, débordé, c'est chaud. Ah j'ai dit que c'est la dernière, bon c'est pas grave, la vraie dernière. Et du coup j'ai l'impression que les M c'est un peu des récompenses dans le sens où le petit astéroïde juste avant là où il y a les deux canons dessus. Si tu pètes les deux canons t'as un M qui apparaît et sinon t'en as pas un. J'ai eu un gris, donc putain, je suis la bourre. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pareil, j'aime rien. Ouais. Ouais, ce passage-là, en vrai, si tu si t'arrives pas à dépop les trucs là rapidement, c'est archi marrant après, quoi. Trop de tirs de partout, quoi. Oh! Ah, cool! Impeccable! Bienvenue! Donc, le développeur, j'ai des réponses à donner, impeccable. Plusieurs choses. Donc, les M de différentes couleurs. Plus t'attends, moins il rapporte de points, j'imagine. Je pense que c'est ça le truc. Ouais, quand tu files une vague, ouais, c'est ok. Ce que je m'étais à peu près dit. Et pourquoi il y a une fois où quand j'ai récupéré un M, ça a attiré toutes les gemmes vertes qu'il y avait aux alentours. Et que ça l'a pas fait à chaque fois. Passe de gold, argent, bronze, faut se tirer dessus. Ouais, c'est... Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ouais, pourquoi il y a une fois ça a attiré les trucs et pas les autres.
Autre chose, voilà ce que j'ai dit, bah après tu pourras aller voir le replay, de toute façon il est pas très long, hein, il a commencé il y a pas trop longtemps. L'idée serait cool qu'il y ait un auto-fire en fait. Que t'es à la limite de touche quoi. Parce que j'avoue que bourré. Merde, quel con. Bourré la touche de tir, ça. C'est pas super cool. Il y a aussi un truc, pourquoi il y a une fois j'ai pu tuer le boss, toutes les parties du boss, merde, y compris la fin. Qui m'a valu pas mal de points d'ailleurs. Ah, tu perds en premier, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait. Ok. J'ai eu un gros. Ah, c'est ceux-là, d'accord. Ceux-là, si tu les pètes de près, t'as les plus grosses gemmes. Enfin, installer dans le boss, le tuer de près pour oublier le console, d'accord, ouais. Si tu es ennemi, ça débloque la deuxième forme. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, j'ai au moins une run où j'ai. Ok, effectivement, ouais, j'ai toutes les vies, ok, d'accord. Bon, bah, j'ai au moins une run où il y a. Où j'ai justement le ennemi, ça. Ah. Et par contre, j'ai même pas vu c'est quel ennemi qu'il faut péter au corps à corps pour balayer comme ça. Ah, peut-être celui-là. Oh non! Ah, mais là, c'est mort. Enfin, c'est pas mort, mais en vrai. Ce passage-là, c'était en retard pour péter les trucs qui tournent, là. C'est vraiment relou. Ah, c'est lui alors. Ah, je voulais le faire au calque. Ah, moins ta vie, plus j'aime son grosse. D'accord. Et haut ta sang. Ah, ouais, effectivement. D'accord. Ah, du coup, le nomis en PV, on est bon, quoi.
C'est en mime. Ouais, mais j'aime pas. C'est vraiment pas un truc. Ouais, sur les gros, ouais, je comprends bien. Vite les boulettes ennemies. Et sinon ouais, je sais plus trop ce que j'avais dit, le truc que j'avais relevé. Donc, du coup vraiment ouais, moi enfin Out of Fire, je pense vraiment qu'il faudrait parce que il y a le boss, il y a la... C'est bizarre les roquettes quand on les pète, mais bon ça pareil c'est les soldats donc c'est pas bien grave. Donc une petite musique hein, évidemment, mais ça c'est pareil, c'est pas le truc à faire en priorité. Sinon honnêtement en termes de gameplay et tout, je trouve que ça va bien, hein. C'est lisible, c'est bien maniable. Ah purée. Là, je vais essayer de bullet cancel, c'est rigolo le début, choisir la grosseur des gemmes. Justement, je comprenais pas trop l'intérêt de d'attendre ou non au départ, mais. Oh non! Putain, quel sac! Non, mais c'est pas. C'est sympa comme idée, ça. Par contre, vraiment le tir vert. Après, je doute pas qu'il puisse être utile en certaines situations, hein, mais. Les tirs verts, pour l'instant, c'est quand même pas mal les embrouilles. Oh, ça a pas cancel. Oh. C'est cool aussi, c'est le petit bullet cancel, là, c'est rigolo. Non! Putain! Ah, je suis tellement dégoûté. Les astéroïdes sont moches hein, quand même. Avec les petits trucs qui partent en diagonale à la vitesse de l'éclair là, c'est
Ah, je suis vraiment dégoûté, par contre. J'étais tout content, tout se passait bien, j'avais passé la zone un peu relou, là. Eh, hey, pourquoi sa boulette pour cancel pas? J'étais proche quand même. Moi je dis y'a arnaque. C'est depuis combien de temps que tu bosses sur ce jeu? Voilà, là ok, j'étais loin. Bon. Deux ans, d'accord. Non, ouf, putain. Faudra un protéage du code, d'accord. Non, mais ah, mais c'est pas vrai, je suis en 5, hein. Pourquoi je prends ça? Mais c'est n'importe quoi. Ah là là, mais non. J'étais déjà en train de réfléchir à la deuxième phase en me disant bon, faut pas que je me trouve, etc. quoi. Quel con. Non, en tout cas, pour l'instant, le résultat, c'est bien propre. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu une explosion avec le missile. Ah, le bonus il est parti? Non. Hey, mais depuis quand il rebondit pas contre le bord de l'écran le bonus là? Je suis tellement fait arnaquer là. Ah là, vas-y quoi, clairement ça bosse, hein, ça manque, ça c'est sûr. Après voilà, encore une fois, c'est pas la priorité quand t'es en train de taffer sur le jeu quoi. La priorité c'est que le gameplay soit bon, voilà, honnêtement. Honnêtement, ça marche bien, hein. Même les patterns et tout, c'est. C'est con, j'aimerais bien faire un Amis en difficulté comme ça là.
J'ai hésité à aller choper le M et puis je me suis dit, ouais, c'est quand même un petit peu risqué. Ah, et la zone quand même pour le bullet cancer, elle est pas bien bon ça. Voilà, j'étais pas trop proche quand même. Mais tout à l'heure, il y a un moment où j'étais... Hop, purée. C'est quand même pas très loin. C'est quand même pas très loin. Ouah, il y avait encore cette attaque-là. Ah pareil, ça manque aussi le petit bruit pour voilà, pour valider le fait que t'es bien en train de toucher le boss, en train de tirer à côté. Cool. Je crois que j'ai fait moins de points que tout à l'heure. Je crois que j'ai fait moins de points. Je crois que tout à l'heure j'avais fait 120 000 ou un truc comme ça en... sans avoir des gros élèves. Bon bah voilà, c'est cool. Mais ouais, franchement, très sympa. Hein. Bah d'ailleurs. Je voulais récupérer la 02. Ah bah oui, j'imagine bien, ouais, qu'il faut. Ah bah dites-moi, il faut essayer de péter toutes les vagues, ainsi de suite quand même. Ah, il y est déjà la Hidden Gem. Ah, parce que je savais pas trop s'il y était ou pas, ou si c'était juste un placeholder en disant. Oh, ouais. Qui est caché. Honnêtement, le bullet cancer, il est vraiment. Je trouve. Ouais. Ouais, très très proche quand même. Et aux 50 000 boules, le truc caché, ouais, quand même. C'est la moitié de mon score. Ouais, mais tu vois, sur ce coup-là, j'ai pas l'impression que j'étais beaucoup plus près que le coup d'avant, quoi.
comprendre que c'est normal. Non, mais pourquoi? Ah, et pour de vrai, j'ai mon stick qui a déconné. Parce que je voulais aller à gauche, il est parti en haut à gauche. Ah, pour de vrai, c'était pas ma faute. Ouais, c'est là que je suis obligé de jouer à la mallette en fait parce que mon stick arcade ça marche pas avec. Je sais pas pourquoi. En gros, si je maintiens gauche ou droite, ça bouge une fois et c'est tout. Je sais pas à quoi c'est dû. Et le haut et le bas c'est inversé. Je sais que pour je sais plus quel jeu, ça me l'avait déjà fait ça. C'est inversé. Ouais, trop loin là. Non. C'est en H-Rap, stick 3-6, en Ori. En H-Rap VXSA. Et ça m'avait déjà fait sur je sais plus quel jeu où le haut et le bas c'était inversé. Mais surtout là le truc c'est que et ben, le problème en fait c'est que en gros par exemple si je maintiens gauche ou maintiens droit il va se décaler juste de 1 à gauche ou 1 à droite et après ça bouge pas quoi. En fait si je veux me déplacer faut que je mette plein de petits plein de petits coups quoi. Là, si je fais gauche, gauche 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 mon truc il va se déplacer de case en case on va dire. Et par contre dès que je lâche enfin, dès que si je maintiens, ça marche pas. Et sinon, après, ouais, il y a le haut et le bas qui sont inversés. Non, ça, il est forcément utilisé, forcément reconnu comme comme D-pad. Et justement, je pensais que c'était le D-pad qui merdait, mais non, parce que le D-pad de la mallette 3-6, là, elle marche. Donc, enfin, c'est ma Xbox One d'ailleurs. Donc, je sais pas. Bon après je pense que je pourrais le faire enfin marcher avec un Joy 2K ou un truc comme ça où je pourrais blinder gauche, droite, etc. Mais disons qu'en natif comme ça ne fonctionne pas. C'est dommage parce que pour de vrai je suis quand même vachement meilleur stick arcade que stick analogique de la manette quoi. C'est un truc ça où je suis pas précis du tout. D'ailleurs ça semble c'est dès que je dois vraiment ah putain dès que je dois vraiment esquiver je suis pas. Un bel exemple de dès qu'il faut que je sois un tout petit peu précis, je passe à côté. J'ai raté le M parce que je pensais que je l'avais déjà debout. Ah putain, mais comme le coup d'avant. Mais si, franchement, c'est cool, hein. C'est très très cool. Après, dans 5 minutes, le but d'arrêter, c'est qu'il faut que j'emmène ma voiture au contrôle technique.
Mais en tout cas, une très bonne découverte. Non, mais pourquoi j'ai pris le vert? Ah si, je disais, il va falloir un petit son aussi pour le tir chargé. Pour sans avoir pour s'en regarder en bas, voir à peu près où on en est dans la charge, tu vois. Non! Faut chaîne les étoiles. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe à ça. J'avais pas vu qu'on pouvait. D'accord. Les étoiles, elles prennent de la valeur si ils enchaînent. Ah, effectivement. Ah, du coup, j'aurais pas loupé celui-là. Ouais, non, c'est très intéressant ça. Ok. Non, il y a vraiment des bonnes idées de scoring, quoi. Oh non, j'étais en train de réfléchir au bullet console déjà. Ouais, dernière partie. Dernière partie, après je suis obligé de couper. Et c'est pas plus mal que je dois y aller, parce que c'est genre de truc où j'aurais pu squatter encore 1 heure sur le premier niveau pour essayer de faire un meilleur score. Une révision, bah ouais, j'espère que. J'espère surtout qu'il y aura peu de contre-visite là. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait jouer en tâté quoi. C'est excellent qu'il a la possibilité quoi. Parce que comme j'avais déjà dit, moi je peux, j'ai mon écran qui pivote. Oh, je la rate. Bon, bah tant mieux. Flo, on va y aller! Oh bah de rien! Oh puis franchement, bravo à toi parce que c'est très cool déjà en état. Évidemment, c'est loin d'être fini, hein. T'as encore plein de taf, des niveaux, etc. Mais... D'ailleurs, je t'ai même pas demandé combien de niveaux tu visais, etc. De toute façon, on aura l'occasion d'en restreamer, hein, c'est vu que j'ai bien aimé. Et que de toute façon, je te suis sur Twitter. Non, je crois que je te suis pas encore sur Twitter. Faut que je t'ajoute. Comme ça, au moins, je serai au courant quand il y aura une nouvelle version pour aller tester ça. Oui, l'alarme du téléphone, je sais, il faut que j'y aille. Ouais, j'y vais.
Allez, des bisous tout le monde, bon après-midi. Et puis à ce soir, donc ce soir, j'en serai à 23h, je pense, pour du WRC 10, le championnat officiel. Voilà. Allez, des bisous à toutes.